Vraiment, à chaque fois qu'Alvi m'achète un jeu, il est buggé, ça craint. C'est plus une malédiction à ce stade, j'appelle ça du terrorisme. Du terrorisme vidéoludique. T'as encore mon steak plein de foutre? Ah non, mais là, il faut consulter, monsieur. Hein. J'ai aucune idée de ce que je regarde. Peut-être un prolapsus. Petite boule qui frétille, j'adore. Déjà, c'est dans le bon ton. Please enter your name. On va s'appeler Pepito. introduisez votre année de naissance. J'adore introduire mon année de naissance. 1992. Et le mois aussi. Je suis vraiment en train de réfléchir. Le jour, mais du coup, connaissez mon anniversaire. Du coup, il va attendre le 9 décembre pour me souhaiter mon anniversaire. Mais c'est pas vrai! C'est le rendez-vous des glandules ou quoi? Ayo, ici Trophy et Calendula Calendulé, c'est le jeu qu'on fait aujourd'hui. L'écran est plutôt stylé, on va voir. C'est Alvi qui nous l'a offert, donc s'il est nul, vous pouvez le taper dans les commentaires. Ah. Eh ben non, ça marche pas. Merci Alvi, du coup, on arrête de jouer. Attends, la résolution n'est... Attends, qu'est-ce qu'il dit? La résolution ne va pas? Ah non, c'était pour faire genre, non? Je me suis fait avoir. Ah, le jeu m'a trollé. C'est une mise en abîme dans le quatrième mur. Il n'y a pas de... retour en arrière, il n'y a pas moyen de quitter. Bah si. Ce n'est pas de ta faute, mais il n'y a pas moyen de quitter. Bon, c'est pas grave. Je peux Alt F4, t'inquiète pas. Ils ont peut-être désactivé ça. On peut pas créer de nouveaux jeux. On n'a pas de carte mémoire. Bah oui, j'ai pas pu l'introduire dans mon PC. Bah, peut-être que je peux charger le jeu. Hein. Alors, 36 Genesis. Le... Bah, c'est aujourd'hui, non? Oui, le 22 juin. Oh, c'est méta. Est-ce que c'est des nervures de feuilles ou alors des veines? Illuminati. Très bien. On est dans un couloir. Je vous assure que j'ai pas triché, j'ai pas joué avant, c'est juste le jeu qui fait des farces. Bon, la sensibilité elle est... Alors, oh, prépare-toi à gerber mon ami. Oh. La petite orbe. J'avance presque tout seul, le marbre doit être très glissant. J'adore la déco. Surtout les murs en surface, c'est un peu comme un rectum. Quelque part. Ne va pas vers la lumière du tunnel. Oh, une cinématique. C'est très bien fait. La texture, la texture. Encore ce symbole. C'était Calendula, on s'est bien fait enculer, surtout à lui qui a dû payer pour jouer à ce jeu. Ah non, pardon, c'est toujours pas fini. C'était Calendula, cette fois vous pouvez mettre un pouce. Rouge, parce que tout est rouge. Ah mais c'est inversé maintenant, moi je sais pas lire l'inversé. Hein. Et si je tape les crédits... Ah bah déjà je sais pas lire les crédits de base, mais là c'est encore pire. Bah j'imagine que je peux toujours pas. Oui, bah je... bon, même lire ça. Et Mag Daol. En fait, c'est du russe. C'est du russe. There are on no files to load. Bah. Yalp. New. On dirait vraiment du russe. Non? Vous trouvez pas qu'on dirait du russe? Du rusque? Du rusque? Nouvelle langue.
Reflected screen error. Ah, il faut que j'aille dans les contrôles. J'arrive pas à lire à l'envers, moi. Là, c'est du russe. Ce jeu est possédé. Faites quelque chose. Attends, c'était dans vidéo. Mirror. C'est ça, non? Ah, oh, oh. Maintenant, c'est ma souris qui est en miroir. Dis donc. Oh, ma tête, ma tête. Je te maîtrise quand je suis Charles Xavier. Non, reviens par là. J'ai cru qu'il y avait encore... Non, il y avait... Inversé. Oh, je te maîtrise, mon cerveau. Je te maîtrise. Tu es triste que je te maîtrise. Ah. Je m'en fous, je charge la partie. Ah, non. Non, il me fait revenir. Yeah. C'est vraiment un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur où tout est mal codé et que t'as des bugs. C'est en fait, c'est la vie d'un développeur indépendant. J'ai oublié ce qu'il a dit à l'aide. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Ah voilà, inverser les contrôles. J'ai encore cassé le jeu. On va bien finir par arriver à jouer à ce jeu. Bientôt tu comprendras mes mots. Bah non, désolé, moi je fais Duolingo, j'ai déjà du mal. Avec le russe, j'essaye le japonais tous les jours. Le portugais aussi. Alors, ça c'est un code secret. 0 x 06 16. Retenez bien, être fidèle. Je compte sur vous. Babel. Ouh! C'est les petits fromages. C'est protégé. C'était quoi le... Attends. 06 06 16, c'est ça? C'était ça le code? Merde, j'ai oublié. Putain, j'ai une mémoire de cul. Ma mémoire est... Il n'y a pas de cerveau, c'est un cul. C'est 0616 tout court. Et ça, le code, je sais pas ce que c'est par contre. Ça doit être dans les... Attends. Non, c'est pas 0616, je pense pas. Dans le doute, je le teste. Parce qu'après, on va être... Non. Donc ça doit être dans les contrôles du menu. Tu crois que... Attends, je viens de réaliser un truc. Tu crois que ces enculés, ils m'ont fait aller sur l'écran de gauche quand t'as deux écrans parce que... Comme ça, ça fout la merde. Tu crois qu'ils ont été jusqu'à penser ça? C'est du génie, mais il faut avoir deux écrans. Dans le langage, je pense. Voilà. Ça, je suis sûr de connaître. Ça s'appelle de la géométrie Pythagore. Alors. Voilà. Voilà. Ça, c'était secret. Eh, c'est secret. Le mot de passe. J'ai déprotégé le... Oh. Je suis un hacker professionnel. Où sont mes lunettes de hacker? J'irais bien chercher mes lunettes de hacker. C'est la... le manoir de Thalès. Et nous sommes Pythagore. Oh, j'aime bien la vue penchée comme ça. C'est très artistique. J'adore la déco. On est venu chier, nous Pythagore. On est venu poser notre notre octogone sur les chiottes de Thalès. Pour la science. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah. Ah. Non, j'ai mis Flux, arrêtez. J'aimerais juste avancer. Cette orbe. Il y a une conjonctivite, le gars. Pour lui prescrire des gouttes. Original pour l'instant, j'aime bien. Reste calme et sois attentif. Bah oui, 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 bien sûr. Ah, maintenant c'est le rendu qui est corrompu. Ah, peut-être que j'ai quand même une partie. I lead, je dirige. Oh, il y a encore un putain de password, mais c'est pas possible. Que je dois aller dans la online zone. J'ai pas d'amis. La personne. J'ai déjà oublié. Putain. Il dit pay attention, moi je suis en mode. Neuh. Des trucs corrompus, ça pourrait être quoi? En vrai. Des mémoires corrompues. Reste calme et sois attentif. Ah, il y avait un truc là, attends. C'était pas une image subliminale? Si, c'est des images subliminales, non?
Ah, mes yeux, mes yeux. C'est marqué quoi? L-E-A-K-K, leak. Une fuite. I lead, I leak. Je coule. Ah non, je suis en QWERTY, bordel. Voilà. On va le faire couler, moi. Alors, ma poule, on a la moule qui coule. Ça va encore être un écran de jeu. Ah non, cette fois, on est dans un niveau. Oh là là. En tout cas, il aime bien le marbre et les murs en matière de rectum. Il y a même une petite fontaine de menstruation. Ça fait plaisir. Ça, je reconnais bien là, mon cher Thalès. Un fils de pute jusqu'au bout. Wow. Par contre, ma démarche, elle est pas très géométrique. Hein. Elle est variable. Oh, un steak. Oh, qui met de la sauce blanche sur le steak? Ou autre chose? Et si c'est autre chose, je ne veux pas savoir. Ça se trouve, c'est un bossu et je ne suis pas inclusif. J'aime pas inclure les gens. Je préfère les exclure, simplement. Qui contrôle qui? Moi. 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 Laisse-moi te guider. Contrôle. J'ai peut-être fait une bêtise. Je peux pas appuyer sur autre chose. Excusez. Je bouge la boule. C'est bizarre comme mécanique parce que je suis obligé de. Aïe. C'est un truc de Ouija. Je suis sensible. C'est ce qu'il dit. Ça va être long hein, si c'est un truc de Ouija. Je S. Voilà, voilà. Attends, je te suis, mais tu vas trop vite. I see, tu vois. J'ai vu que t'étais un œil, hein, mais bon. I see you, tu me vois, moi. Bah, c'est bien. En même temps, je suis devant la caméra. C'est bon, je peux retourner maintenant? Je peux y aller ou pas? Ah, j'ai perdu le contrôle. Laisse-moi te guider. Bah, il faut un password aussi. Ah, tu crois que c'est ça le MDP? Attends. Non, c'est pas ça. Ou alors, il faut pas le. Ah, si, il fallait pas le. Il fallait le coller, le calenduler. C'est peut-être les nervures d'un steak, puisqu'on avait une image de steak. Si j'avais pas mangé, je dirais, j'ai faim. Peut-être que les murs sont faits en steak. Peut-être l'usine Charal. Avec des piliers de marbre blanc. Ça bug un peu, hein. Vraiment, à chaque fois que Alvi m'achète un jeu, il est bugué, ça craint. C'est plus une malédiction à ce stade, j'appelle ça du terrorisme. Du terrorisme vidéoludique. C'est encore mon steak plein de foutre? Ah non, mais là, il faut consulter, monsieur. Hein. J'ai aucune idée de ce que je regarde. Peut-être un prolapsus. Ce jeu est un jeu. Cette expérience est une expérience. Au-delà des conventions, la vérité sera révélée. De quoi? Ah bah, du coup, il faut encore que je fasse une game. Oh lolo lolo. On est hors des exceptions, des limites d'exception. Limitless. Ok. Out of bounds. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as des poils pubiens? Aïe. Aïe, quoi? C'est peut-être la vue d'un anus, hein. IE? C'est ça le. Non, ça. IE. Après, ça bat comme un cœur. Aïe, elle. Lie, mensonge, ce serait ça. Ouais, si je loupe le L en premier. Tout n'est que mensonge. Putain, j'arrive pas à le recentrer bien. Ça
Problématique, j'arrive pas à le recentrer. Aidez-moi. À l'aide, au secours. Tu peux partir, mais jamais t'échapper. Je m'en vais. J'ai cassé le jeu. Re-bienvenue. Aimerais-tu tout oublier ou continue? Les deux ramènent la douleur. Et moi, j'aime la douleur. Et vous aimez la douleur? J'étais peut-être supposé quitter vraiment le jeu. Donc le mot de passe, ce serait l'ail. Parti. C'est très cryptique en tout cas. Mais j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. C'est une expérience originale. Pleine de formes fantasmagoriques géométriques. Et l'orbe semble être au centre des conventions. Oh! Peut-être une pub pour un ophtalmologiste, hein? Blog? Ophtalmologie? Bon, j'ai pas de lunettes, je m'en fous. Hé, hey, salut, visage! C'est donc toi, Thalès? Il n'est pas très hexagonal, ni triangulaire. C'est plutôt ovale, ce qui est la pire insulte pour un géométricien. Ton chemin est écrit, bah c'est bien. Une erreur de Windows cette fois. Oh non, ce n'est pas possible de vous montrer quoi que ce soit, mais ceci. Essayez encore. Alors attends, Windows. Cette résolution. Voilà, voilà. Voilà, c'est pas évident pour voir, hein. Attends. Ah, ça n'entend plus. Je crois que j'énerve le jeu en fait. Hein. Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Oui, mais moi j'ai pas payé pour toi, mais c'est juste pour l'abonné, c'est pour ça que je le fais. C'est quand je bouge ma souris en fait. C'est très agréable hein, comme bruit. On dirait un peu des ongles sur un tableau de craie, non? Je sais pas ce que je dois faire avec ce truc. J'essaye de l'atteindre très vite. Ça marche pas. En fait. J'ai l'impression que si je le bouge vite, le curseur, ça reset l'écran. C'est genre, si t'entends le bruit, c'est qu'il faut pas passer par là. Faut que ça reste bien rouge, comme un prolapsus. Là, c'est pas très rouge par là. Je cherche le rouge, moi. Très rouge, c'est pas très rouge. C'est un peu comme j'ai l'impression de masturber ma souris, mais oh là, voilà, 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 oh. Ah ah, oh, faut aller dans le rouge, faut aller dans le rouge, faut aller dans le rouge. C'est un jeu parfait pour les épileptiques, tu me diras. On dirait que ça se déplace comme un cerf qui se déplace dans une zone précise. Il faut pas quitter. C'est comme chercher le point G, hein, vraiment. J'y suis presque. J'ai presque atteint l'écran noir. Soutenez-moi. Faites un don. Je sais même pas si je suis censé faire ça. Hein. Mais je le fais. Ok. Je sais pas si c'est une bonne chose qu'il y ait cette musique. En fait, j'arrive pas à aller plus haut. J'arrive pas à tirer la fenêtre. Oh là. Ceci est un tunnel, c'est un trou. J'ai trouvé le point G. The Quiet One, un silencieux. C'est un bruit de paix, ça. J'imagine qu'il faut enlever le son, du coup. J'entends quand même du
Oui. Arche dure. C'est bien, mais Ah! Peut-être que j'enlève aussi le SFX. Et le pitch. Le pitch, c'est quoi le pitch? Moi, j'entends encore des bruits hein, dans mon casque. Ah! Du rice, du riz. Élève-toi, érecte-toi comme un triangle. Parce qu'ils sont obsédés par les triangles. Toujours la même déco, hein. Très fan du marbre et du papier peint. Christophe Colomb. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est la même odeur. Ah, mais je suis déjà venu par ici. Faut que je redescende du coup. Effets spéciaux. C'est le meilleur. C'est le jeu préféré des épileptiques. Oh non! La bouboule est contaminée! Elle devient noire! Comme les ténèbres. Ah. Je vais vers la bouboule. Oh. Oh, ça roule. Cette expérience est une expérience sur une boule noire qui tourne. Mais en fait, elle est rouge. Inondée en rouge. Bah, je vois bien, oui, il y a du rouge partout. C'est un peu la thématique du truc, en fait. Hein. Critical Overflow, bah, ça ne me dit rien. Hein. Saigner. Bon, bah, si ça saigne, c'est qu'on peut le tuer. Vidéo, saturation. Ah là, c'est tout blanc. J'ai vu que c'était marqué juste nique ta mère. NPTM. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Nique pas ta mère, peut-être? Waouh, oui, c'est en. Attends. N. P. Non. Désolé, je suis en QWERTY, du coup, je cherche. Ah, voilà. Incroyable. Je suis un vrai hacker, moi, je craque le code. Je craque le code, qu'est-ce que tu crois? Hein? Calendula, calendulé. Qu'à l'enculé! Y a qu'à l'enculé le jeu et ça marche! Ah, mais du coup c'est tout blanc! Ah! Le trou blanc! J'avance vers la lumière! Oh, c'est un œil! Des yeux! Des boules rouges! Bougie en point d'interrogation! Silhouette. Ou un personnage dans Among Us qui n'a que deux pieds. Tout est de plus en plus cassé. Hein. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça de l'horreur. Il y a quelque chose d'angoissant, d'horrible, anxiogène. Enfin, moi j'aime bien, je suis dans mon élément. Oh là. Ah, ça va être très compliqué là. Où est le play? Oh lolo. Oh lolo. En fait, le jeu est pas long, c'est que il te rend la tâche difficile. Alors oui, mais non. Là, ça va être compliqué. Comment dire? Il faudrait que je puisse appuyer sur play. Mais je trouve pas où c'est. Ah ouais. C'est compliqué. Attends, je suis dans configuration là, je crois. Mais je vois pas où est vidéo, moi. Ah si, attends, il faut que j'arrive là en bas, là. Je vais arriver, attends. Là, j'y étais. C'est vraiment pour t'apprendre à trouver le point G, hein. J'y étais, je t'assure. Là, regarde. Là, en bas. Là, attends.
Là. Vidéo. Le moulinet, le moulinet. Pourquoi c'est ce premier jeu qu'on fait, un jeu aussi compliqué mentalement, hein? C'est bien pour commencer le stream comme ça, ouais, tu commences bien, Truffy. Tu n'es pas du tout baisé du cerveau dès le départ. Bah c'est bien, ça me permet de bouger, mais après... ça me permet peut-être de voir mieux. Ouais, ça n'a pas l'air de vouloir s'aligner en vrai. Ça va juste m'aider à retrouver mon chemin, peut-être. Augmenter la sensibilité de la souris. C'est un très mauvais choix. Alors, en fait, je me demande s'il faut que je résolve la situation de l'écran ou s'il y a un message caché quelque part dans l'agencement des lettres. Genre password, tu sais. C'est peut-être ça, putain, ça se trouve, quand je bougeais les écrans, il y a peut-être marqué password. Attends. Word. Non, ça aurait été compliqué de faire avec les textes figurant dans le menu. Je sais même pas si tu peux faire password. Parce que ça pourrait être genre, ça te permet de te déplacer. Et après, tu peux avoir accès à des trucs donc, auxquels tu n'avais pas accès. Pour faciliter ta navigation, mais ce serait quoi? Brillance? C'est quoi le 8x8? Bah, c'est au-dessus du 20. Et le 20, c'est quoi? C'est FPS rate. Donc, résolution. Ah oui, regarde, résolution, c'est ça, 8x8. Mais attends. Ah! J'ai réussi à trouver une bonne flèche. Faut que j'arrive à faire 2 et 2. Attends. Résolution, il est là-haut. Bordel de merde. Là. 2. Là, en haut. Quoi qu'elle en faire, putain, j'ai enfin réussi. J'ai cru qu'il allait me faire recommencer. J'allais casser le clavier. Mais d'abord la souris. Je ne suis pas seul. Ah bah là, il faut aller sur Online Zone, je le sais. Il y a quelqu'un qui est connecté, regarde. Qu'est-ce que tu fais ici? Il s'appelle Aconite. Est-ce qu'il est Aconito? C'est aller trop loin. Tu n'as pas à faire ça. Faire quoi? Ça peut sembler tardif, mais... tu peux encore changer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? S'il te plaît, arrête! Finis-en. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et c'est déconnecté. Comme un poème, hein. Ça se complète au fur et à mesure. Bon, qu'est-ce qu'il va me dire cette fois? Ah, un user qui n'est pas... Aconite. Peut-être que c'est Aconite qu'il faut... Aconite qu'il faut taper. Non. Qu'est-ce qu'il a dit de... Waouh, attends. Qu'est-ce qui s'est passé là? 2048. 2023 ou 2048, faudrait savoir le jeu. Et mon anniversaire dans tout ça. Ça doit être Y le mot de passe. Où est le putain de... Là. Why? Tell me why! Allez, vieille cette musique. Ok, bah j'imagine que j'avance, hein. J'ai débloqué la situation, je peux continuer dans les menstruations. Dis-moi pourquoi Thalès. Ta maison est couverte de règles. Inondé. Des yeux, toujours des yeux. J'ai aucune idée de ce que je regarde à chaque fois. Il y a des imageries assez cool, je trouve, assez sympa. C'est assez mystérieux quand même. Look at the dark, regarde les ténèbres. Ah bon? Ah oui. On regarde les ténèbres. Wouh! Qu'est-ce qu'il me dit? Erreur fatale. Ce n'est pas possible de show you. Il a pas aimé, je regarde.
Ok. Viens me chercher dans les ténèbres. C'est très agréable comme bruit. T'inquiète, j'arrive. J'arrive te chercher. Je suis chaud, moi. Je suis chaud, moi, j'ai pas peur. Quel est le sens de tout ça, me direz-vous? Je vous dirai, je n'en sais foutrement rien. Il me manque quelque chose. Ok. Ça doit être à voir avec la brightness alors. Ça doit bien se passer. Il faut que j'appuie avec ma souris. Non. Ah oui. J'appuie avec les deux en même temps grâce à l'ombre de ma souris. C'est plutôt ingénieux. J'aime bien. C'est très expérimental. Et on avance toujours dans ces putains de couloirs là. L'esthétique est sympa, enfin, je trouve qu'il y a vraiment ce côté glauque, glitché. Et c'est pas une représentation glitché classique, tu vois, comme la Matrice ou hyper futuriste. Les voix vont te guider, très bien. C'est quelqu'un qui était passionné par les menus. J'imagine que c'est ça les voix. Vous pensez qu'il faut que j'enlève la musique? Bah si j'enlève la musique, il y a plus de voix. Hein. Je ne vois pas là. Ah? C'était déjà entouré ça? Peut-être pas le bon pitch. Maintenant ça fait toujours le même bruit. Hein? J'entends un truc là. C'est impossible à déchiffrer par contre. D'où quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, je vais me mettre à fond juste. D'où? Ah. Apparemment c'est ça qu'il fallait faire. Ah, Calendula. Putain, j'ai mis longtemps à trouver. Je sais pas s'il fallait baisser le son ou pas au final, enfin les pitchs et tout ça, si ça avait une incidence. Maintenant tu sais son nom, tu sais ta mission. Bah non, ça m'aide pas beaucoup. Quel est ton vrai nom? C'est toujours Pepito, hein, ça a pas changé. Non, laisse-toi aller, c'est facile. Mais je te dis que je m'appelle... Non, je m'appelle Pepito, mi corazón. Il veut pas que je tape Pepito. Ma date de naissance, c'est toujours la même. Ah bah non, toujours pas. Je tape 1992, ça met 2023. Pff, d'accord. C'est la date du jour, j'ai compris. Tu
Tu comprends maintenant, tu sais ce qui arrive après. Bah non, je sais pas. T'as beau me dire, je ne sais pas le jeu. C'est donc pour ça. Je suis un bébé, je suis un enfant, je sors du vagin. C'est ça la métaphore. Si les vagins ressemblent à ça, ça dit. On se demande pourquoi il y a des piliers avec des formes géométriques. Je sais pas si calendula ça a un sens, une signification, genre en latin peut-être. Oh, oh, fichaille sur mon gros nez. Va faire la lumière de Pythagore. Relax. You need to C'est rest. bébé Truffy. It's over. Terminé. Tu es sorti, t'as. Have you Tu es decided on sorti. the name yet? Alors je veux rien dire, hein. Yes. Mais Calendula, c'est pas très stylé comme. Calendula. Non, non, c'est pas possible d'appeler son enfant Calendula. On dirait une marque de lessive. Je ne veux pas m'appeler comme ça. Moi, je voulais m'appeler Pépito. Je voulais m'appeler Pépito, maman. T'es vraiment une connasse, maman. Ce sont mes premiers mots. Eh bah, ben, sacré jeu pour dire que tout est une matrice. Les complotistes avaient raison, en fait. On est dans une matrice parce que dès la naissance, on a une interface digitale, diégétique, diététique. On doit faire tout ça pour naître. Et c'est pour ça. Il y a autant de gens, il y a un seul spermatozoïde qui y arrive. Voilà. C'est comme Kolyoko. Un monde sans danger. Tout ça pour naître dans la fente vaginale de maman qui est une porte. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dû lui passer dessus. Ce qui explique ma sale gueule. Ah, je m'échappe. Je m'échappe du côlon. C'est parti. Je vais noter Calendula du premier coup juste pour voir. Peut-être qu'il va me troller du coup. C'est arrivé. Ah, j'ai débloqué un succès. Ah, je sais pas, entre Calendula et calendrier, je sais pas ce qui est le mieux, hein, franchement. Du coup, là, on revient. Est-ce que je peux faire demi-tour? Je vais en arrière, moi. Rien à foutre. Et si on tape Calendula dès le début? Tu n'es pas encore prêt. S'il te plaît. Et ouais. Ah, oh, je peux pas taper le vrai nom. Eh bien, ce sera Pépito. Eh bien, c'était Calendula, c'est mon nouveau prénom. Je vais renommer la chaîne ainsi. Désolé ou pas désolé, je trouve que c'est le plus beau prénom qui existe. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-vous un pouce bleu dans le cul, mais surtout sur ma vidéo, c'est le plus important. Merci Alvi, comme d'habitude, tes jeux que tu offres sont toujours buggés. C'est un pur plaisir, je suis heureux d'être né. Biou! We'll be right back.